Un grand bonjour à toutes fidèles abonnés World Travel Multiservicio. Jeudi, c'est vendredi et nous disons bon merci du fait que tu protèges nous, gardez nous pendant toute nuit là. Et il fait nous grâce, nous réveiller avec souffle de respiration en pleine forme et en bonne santé. Nous disons merci parce que il était accompagné chacun de membres de notre famille nous, que il protégeait, que qui réveillait avec souffle de respiration sans aucune malaise. Donc nous disons bon merci pour ça parce que c'est une grâce liée à chaque fois nous lever, nous contempler un jour que il fait de plus. Je salue toutes fidèles abonnés et World Travel Girl indistinctement et individuellement. Et moi, je souhaite bienvenue avec tout le monde qui a peine rejoint Chanel là. Et pour vidéo aujourd'hui, moi, je viens parler ou bien partager ensemble avec nous information ça. Donc, c'est vraiment important parce que nous connaissons de nos jours, en pile monde utilise un couloir ça pour rentrer et Brésil avec Chili. Et nous connaissons pas gagné. Il est difficile actuellement pour programme qui te gagné par exemple et regroupement familial pour et Brésil te bail là visa humanitaire tout ça et Chili tout il te connait pas opportunité pour mon entrée sans visa et autrefois qu'on y en a pour il est difficile pour mon entrée Brésil avec Chili dans moment mais nous connaissons gagné des agences qui quand même fini par faire en pile en moun entre Brésil et Chili et par voie ça yo que moi pral parler ensemble avec nous jodi a. Donc nous et pour nous capable et ouais vraiment difficulté a, mais nous garder nous ouais Brésil ni Chili yo pas vrai ba et type de programme kan ba la yo pas gain encore mais ou après, yo mette demande visa visiteur, yo mette ou ka fè application pour yo. Mais en même temps, gen moun ki pa habile, gen moun ki pa habile nan teknoloji et gen moun ki pa konnen rien nan domaine voyage. Et ceci ça vient peser vraiment lourd pour yo et pour ta kap konnen comment ou ta fè ça parce que bon di nou parole. Lorsque nous même nous pas konnen bagay sa yo et garanti que agence là li même li gagne tout avantage sur vous. Et si ça l'a réglé pour son bagage qui t'a coûté environ 2 000 $, la fois qu'on est que 3 000 $ la fait pour vous. Et en plus, moi bouke ba nos conseils. Par rapport avec comment yon moun ni même ni capable faire planification voyage de pour compte. Imaginez bien. Yon moun ki gagne 3 000 $ américains nan men ou bien 3 500 $ américains ou bien 4 000 $ américains ou choisi ba yon agence et fait planification voyage là pour a dit pour résoudre tout bagay pour et la just board date pour aller et moi toujours dit ça agence yo même mais comment fonctionner c'est tout autre comme là pour qu'on en met yo montre tout bagay facile. OK, yo montre tout bagage facile de yo ka baoul dans une semaine, dans 2 semaines. C'est comme si on bagage comme si et comme de l'eau à boire. Mais pourtant bagage là vraiment conservé. Parce que les agences là les mêmes li ou vinn côté pour faire planification voyage là pour ou pas connait. Ça pas étonnant pour ouais, il était gagné voyage était pour te organiser pour l'autre monde, il pas arrivé organiser voyage ça. Et moun sa li même kap marche nan bureau a vin dè comme pou kabay li m garanti ou que comme ou a ki entre nan bureau a pour faire organisation voyage la pour c'est comme ça pral payer client sa li même kap ple de marché monter descend nan bureau agence là parce que de nos jours agence yo très piégé fann prudent pile quand qui agence n'a et bay fait organisation voyage pour nous pas perdu comme parce que en plus comme perdu dans sens ça pour les agences là du capable et menon Brésil capable menon Chili et pourtant rien pas jamais fait gen moun là me connaît qui connaît contact en grand dit DG comme moi 3 mois dehors depuis que yo pas jamais capable bon service et tandis que l'aime ta aller yo montre que tout bagage très facile que y a bon moi non y a dit processus là l'a duré 1 mois ou bien 2 mois. Nous pas répondre à ça, mais l'on a regardé 4 mois, 5 mois écoulé ou pas j'aimerais l'eau, qu'on y a là ou obligé monter dans bureau pour demander ça qui a passé parce que yo te dit mais et combien de temps processus là a duré et
et temps lui même il passé yo pas jamais cadeau rien moi m'a fait nous connaît que là toujours difficile pour nous tout autant que principe moi ba non nous pas mettre dans l'application là difficile pour nous et que m'vienne parler nous de m'vienne partager information ça avec nous de Bolivie et Colombie et puis Venezuela yon moun ki besoin et aller Brésil ou bien Chili nan moment nous connaît que yo utilisé Bolivie comme yon pont de nos jours Venezuela comme yon pont et Colombie comme yon pont même bien dit nous m'a conseillé nous lorsque n'a fait lorsque nous-mêmes nous pral faire bagay sa yo me conseiller nous comme gen nan moun là al de fon compte en banque ensemble avec mettez là pour capable jouer une possibilité pour faire une attestation bancaire parce que moi m'a dit nous que pour nous capable si nous voulons faire des matchs pour compte nous toujours dit nous attestation bancaire relevé compte bancaire sont bagage important dans moment pour un monde capable faire planification voyage et pas oublier que agence là lui-même lorsque vous paraît ou tout pas des documents ça dit tout pas des problèmes la résoudre ça pour m'a bon menti ça veut dire que agence yo gen tout document ça yo yo gen tout et faux document ça yo attestation bancaire relevé compte bancaire yo gen tout ça yo lettre de travail yo gen tout ça ou connaît yon consulat ou bien yon ambassade pays capable mande yo si ou pral faire demande visa moi-même chaque me dit nous si nous voulons prendre conseil là pour mettre dans l'application la plus bon pour nous parce que lo allonger $3,500 ba yon agence pour faut entrer Chili moi crois à 90% que l'offre by 3,500 dollars ça ou pas même gè kòp poche même ou pas même gè kòp poche pour l'arriver pour t'enfermer caille on comprend parce que voyage favo là son voyage transbordé et yo gen contact comme si moun ki pou vinn pran pour traverser aux frontières jusqu'à ce qu'on arrive Chili ou bien Brésil donc ça veut dire que yon moun ki ta remen nan moment là entre Brésil et Chili, mon conseiller nous fait une demande de visa pour Venezuela, pour Colombie et Bolivie. Trois pays ça yo, soit on fait demande de visa pour une ou bien l'autre. Et puis l'autre avantage on va gagner, si que on gagne $3,000 dans mon conseiller au fond on compte bancaire pour capable accompagner pour capable faire demande ça logé compte bancaire là la permet tout et jouer une possibilité pour yo capable ba ou visa pour yo toyo visa on connaît nous connaît monnaie venezuela ni monnaie et colombien ni monnaie et bolivien yo très bas par rapport avec dollar là. Ça m'a conseillé nous faire compte en banque nous supposé gagner un minimum 2000 à 2500 dollars sur compte. Ça qu'arrive au gagner la good mais faut que soit gagner en good là il évalué à $2000 ou bien $2500 américains. Moun ki gen comme là qui gen comme ça déjà dans main yo mais à cause de gens agence a fonctionné yo pas bay bon service et ça qui bay bon service là mon garantie que prix la demande dollar dit exorbitant. OK mais nous-mêmes maintenant tête nous apprendre faire des marchés pour compte apprendre faire planification pour compte nous ou gagne $4,000 dans mon ouvert un compte ensemble avec tant après 3 mois pour capable boy yo une attestation bancaire et moi qui expliquer au monde comment il capable et faire et relever compte bancaire là. Moi dit relever compte bancaire là comment mon capable faire par exemple et mon gagne $4,000 dans mon là ouvrir compte bancaire là et puis chaque mois il vient retirer il fait des dépôts mais c'est la même chose par exemple $4,000 là ou ouvrir compte pendant mois de juillet et puis mois d'août ou fait 2 semaines ou faire retrait ou fait 2 semaines ou faire dépôt 2 semaines retrait ou bac pour faire pour retirer au moins 2500 dollars sur compte là même dit va dire dans semaine là 2 semaines il vient 14 jours ça veut dire que on dit la vini on dit de préférence 12 jours parce que c'est jusqu'à samedi banque ouvert OK
Donc ça veut dire que de lundi avec samedi. 6 jours, donc dans ça qu'on y a là, n'a gagné pour nous faire retrait yo. Et puis dans deux dernières semaines mois d'août, nous encore pour retirer, on mettre la caron pas dépenser, on vient déposer encore pour capable faire compte banque le travail. Ça veut dire que mois d'août on fait comme ça, mois septembre on fait comme ça, mois d'octobre on fait comme ça, j'ai comme 2 semaines retrait, 2 semaines dépôt. Et l'on va venir déposer comme là encore, déposer pas 300, 200 et 250, 350 jusqu'à ce qu'on finit déposer ou remettre mettre comme là en côté. Ça veut dire que là il y a pour son monde qui en activité ou activité qui a bon corps, parce que si vous capable faire retrait ou retirer après ça vient mettre encore, ça veut dire ou gain activité qui a fonctionné et il y a bail de bandouan et comme si en pile attention. Et lorsque nous finissons l'attestation bancaire là, nous sommes capables de faire demande pour visa touriste Bolivie. Et l'autre bagage va dire nous, lorsque nous parlons pays ça, même tout l'autre de mon rive Bolivie a voyé tourner ou bien dans l'autre pays a voyé tourner. Mes amis, si nous voyageons, mes amis, nous prenons gros malade qui dernière dimension pour nous mettre pour nous là déjà ouais, c'est quitter notre quitter pays nous. Et lorsque nous arrivons, non. Airport pays à nous descendre, il pas oublier que n'a gain pour nous répondre gain des agents immigration qui va poser nos questions, qui va poser nos questions, vient demander nous combien jours nous comptons faire, est-ce que voyage nous vient faire, est-ce que c'est pour c'est pas à Bolivie n'a prêter nous compter aller l'autre côté. Par exemple, dit que même là que nous connaît ces couloirs nous vient utiliser pour nous traverser Chili ou bien Brésil, toujours montrer que c'est touriste ou vient faire. Moun qui parle espagnol, sou yo, s'il vous plaît, essayez faire un petit coup espagnol en venant aller pour nous capable défendre nous les arrivés dans l'immigration. Parce que nous connaissons Bolivie, Colombie et Venezuela, c'est espagnol. Yo parle, toute question yo parle poser, c'est en espagnol. Yo parle poser yo. Les nous parle et tout, moun qui déjà gen visa Colombie et Venezuela, Bolivie nan men yo. Lorsque nous venons dans l'aéroport là, il a posé nos questions. Jacques me dit non, faut nous en mesure pour nous capable répondre questions. Si on demande nous, est-ce que nous pas contre la Bolivie, nous pas faut nous dit que c'est touristes nous viennent faire. C'est touristes nous viennent faire, nous viennent explorer pays. Après ça qu'on y a là, toujours mettez nous habillement, montrer c'est touristes qu'on fait. Depuis soit habillement, faut habillement jouer pour vous. Et puis fin avec un petit valise très simple, mes amis. Petit bagage qui nous ca kebe nan menou, au moins cap on 4 pantalons, 4 chemises, on 4 maillot caleçon, nous chemisette nous et puis on paire chaussures et puis tennis sous, sandalo par en bas, l'on mettait par en bas valise là. Donc l'on vient dans pays qu'on y a même au travail pour faire l'autre activité pour capable rejoindre corps pour acheter rad. OK? Donc ça veut dire que moi cette vidéo ça que me t'porter pour me partager ensemble avec nous. Yon moun ki ta reme fè demande visa Colombie, visa Venezuela, pour visa et Bolivie, nous capable entrer en contact ensemble avec depuis que nous gagnons un document y a demandé pour nous solliciter visa. Et déjà parlé plusieurs fois sur document ça yo, nous connaissons lettre de travail, attestation bancaire, relevé compte bancaire, itinéraire de voyage et autres. Donc et moi j'espère que n'a pas encouragé, c'est like, commenter, partager. Merci.